porte des songes. La porte du monde des songes est en train de s'ouvrir. Hein? Raconte-moi ce qui s'est passé avec Sosei Seki. Je t'écoute. Suisei Seki? C'est une triste histoire. Pauvre Suisei Seki! Vous comprenez, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait ouvert la porte des songes. Seulement... Je ne la trouve pas très claire, cette histoire. Ah. Je pense à Suiginto. Je me demande bien dans quelle intention elle est allée voir Sosei Seki. J'espère que... Je sais qu'il faut que j'y aille. Attends. Oh. N'essaie pas de me retenir, ce n'est pas la peine. C'est un problème qui ne regarde que Sosei Seki et moi. Allez vous coucher, je ne veux pas vous ennuyer avec cette histoire. Oh, mais quelle gentille attention. Tu sais, les problèmes n'ont pas arrêté depuis votre arrivée, alors je m'habitue. Jun! Allez, arrête d'être aussi aimable, ça me fait tout bizarre. Ah, tais-toi! Jun essaie de te dire qu'il accepte volontiers quelques nouveaux ennuis. Oh. Jun n'est pas mon serviteur pour rien, tu sais. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quelqu'un de très bien. Eh bien, puisque c'est ainsi, venez avec moi. Eh bien, toi alors, tu as vraiment un sacré toupet. Sosei Seki. La rage. Rien qui a changé. Elle était déjà alitée quand je suis venue pour la première fois. Et je vous signale qu'on est dans une maison habitée ici. On risque des ennuis si jamais... Oh! Venez, on ne devrait pas être là. Ne t'inquiète pas, elle ne nous voit pas. Hein? Je m'en doutais. On y va. Désolé pour... cette intrusion. Il n'y a vraiment que des horloges ici. Rappelle-toi, Jun, dans tes songes à toi, il n'y avait que des petites voitures. Obscurité et horloge cassée. Voilà ce que renferme son cœur. Ah! Regardez! C'est un coucou! On a vu, merci. Mais on n'est pas là pour ça. Oh! Ah! Je vois Sosei Seki! Où va-t-elle? Attends-moi, petite sœur! Je crois que nous l'avons perdue. Elle courait vraiment trop vite. Nous allions l'aider. Vas-y, Jun. Sosei Seki! Elle a perdu connaissance. Hey! Oh! Réveille-toi! Doucement. Pas besoin de lui faire mal pour la réveiller, espèce de brute. Seki? Shinko? Cher Sosei Seki, dis-nous où est ton Lenpika? Hein? Ce n'est pas ça que vous cherchez par hasard? Oh. Encore toi, Suiginto! Vous savez, on prétend que ça porte chance d'être gentil avec les personnes âgées. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Par quel moyen malhonnête as-tu pu entrer dans ce monde? Doucement, ma chérie. Je n'aime pas beaucoup que l'on m'accuse à tort. C'est ta gentille sœur qui m'a ouvert la porte.
Elle savait que son vieux grand-père de maître voulait l'enfermer dans ses souvenirs. C'est ça qui l'a incité à ouvrir la porte des songes. Pas vrai, ma jolie? Mais tu es folle ou quoi? Pourquoi tiens-tu autant à ce vieillard gâteux? Parce qu'il est mon maître et ne l'appelle pas comme ça. Arrête! Tu ne vois donc pas qu'il va te démolir? Attends, je vais t'ouvrir les yeux de gré ou de force. Arrête! Calme-toi, Suisei-Seki! Je suis heureuse de posséder l'Enpika, mais je crains de ne pouvoir m'en contenter. Ma chère Suisei-Seki, je crois que tu vas devoir me donner ton Suidaim. Cette fois, ça commence à bien faire! Rends-lui son Enpika immédiatement! Crois-tu pouvoir me vaincre dans ce monde? Shinko, n'oublie pas que tu te trouves ici dans les songes du grand-père et il m'aime beaucoup. Tu vois, Shinko, c'est un monde plein d'attention pour moi. Alors, tu crois encore pouvoir me vaincre? Shinko, j'arrive! De Suiginto. Toi, emmène Jun et Soseiseki en lieu sûr, compris? Compris. Message reçu. Oh, la porte des songes. Elle a disparu. C'est mon maître. Il ne veut sûrement pas nous laisser entrer. Suivez-moi. Ah! Shinko. Bon voyage, surtout essayez de ne pas tourner en rond. Il est immense. C'est l'arbre de vie du grand-père. Ne fais pas l'imbécile et ouvre les yeux, voyons. Tu te trouves sur une branche de l'arbre de l'univers. Une branche? Tous nos rêves sont canalisés dans les branches de ce grand arbre. Normalement, les rêves ne se mélangent jamais entre eux. Mais l'arbre de l'univers lui-même peut parfois en décider autrement. Et c'est alors que se produit... Tu pourrais nous expliquer ça en trois mots? C'est bon, d'accord. Puisque tu es trop bête pour comprendre, je vais être plus simple. Chaque branche de l'arbre est reliée à un cœur qui lui transmet tous ses rêves. Reliée à un cœur? Vous êtes sûr qu'on peut traverser sans danger? Nous, en tout cas, nous sommes assez légères pour traverser sans problème. Sympa. Et moi, je fais quoi? Hé! Attendez! Qu'est-ce qui se passe? On entre dans le monde des songes du grand-père. C'est bizarre, il n'y a rien du tout ici. C'est que son cœur est complètement vide. C'est trop triste. Mon pauvre vieux maître. Il a perdu son fils unique, Kazuki. Il est mort dans un accident de voiture. Quant à son épouse, elle est tombée dans un profond sommeil dont nul ne peut la sortir. Son arbre de vie a dû être atteint. C'est pourquoi... Il faut sauver son arbre de vie afin qu'elle sorte de son sommeil. Le grand-père s'est attaché à toi pour fuir cette solitude qui le ronge, c'est ça?
on parvient à sauver son épouse, il pourra enfin reprendre goût à la vie. J'en ai marre! Il faut toujours te tirer les vers du nez pour savoir ce qui se passe! Tu ne pouvais pas simplement me l'expliquer, petite bonne à rien! Je voulais que toi, au moins, tu puisses trouver un autre maître et que tu sois heureuse, même loin de moi. Tu m'énerves! C'est vraiment absurde de ta part! Mais Suisei, c'est qui? Bon, maintenant nous allons chercher l'arbre de vie de la grand-mère. Allons, l'humain, rends-toi utile et essaie de flairer la bonne piste. Ça va pas, tu me prends pour un chien policier? Arrêtez! Hein? Je vous en prie, arrêtez! Mais qui es-tu, toi? C'est le petit Kazuki. Oh! Qu'y a-t-il, Kazuki? Ne cherchez pas l'arbre de vie de maman. C'est inutile. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'on la réveille. Pourquoi, Kazuki? Mais parce qu'ici, nous sommes tous les deux. Hein? Vous voyez, ici, il n'y a rien du tout. Pas de voiture pour vous écraser et pas de tristesse non plus. Maman m'a dit qu'elle voulait rester ici, avec moi pour toujours, dans ce monde paisible, où personne ne peut nous blesser, ni nous séparer. Mais Kazuki... As-tu pensé à ce que va devenir ton père? Ah! Sa douleur est insupportable depuis qu'il t'a perdu. Alors il a choisi de fuir la réalité pour vivre dans un monde artificiel mais plus sûr, le monde de ses rêves. Ah, dans un monde plus sûr, celui de ses rêves. Ah. Ça va, June? Ah. Et ma maman! As-tu seulement pensé à la tristesse de ton père? Ta maman est toujours vivante, Kazuki. Je crois que tu dois la laisser retourner dans son monde. Ma maman... Mon papa... On va t'avoir! Je suis inquiet pour Shinku et Ina. Je crois qu'il est temps qu'on s'en aille d'ici au plus vite. Viens, Sweet Dream. Inutile de s'attarder ici. On s'envole. Allez, l'humain. Attendez. Et Kazuki, alors? Oh, petit Kazuki. Vous voilà enfin. J'ai failli attendre, mes chéris. Où sont Shinku et Ina Ichigo? Je ne sais pas. Ils se sont peut-être égarés. Sweet Dream, à moi! Laisse tomber, ma chérie. Sans mettre à tes côtés, toutes tes tentatives d'attaque seront vaines, ma pauvre chérie. Tu devrais le savoir, voyons. Sosei Seki! Privée de son Lenpika, ta sœur n'est plus qu'un tas de chiffons sans âme. Allons, Suisei Seki, sois gentille. Donne-moi ton Sweet Dream, sinon, à mon grand regret, je vais devoir employer les grands moyens. Je me fiche de tes maudites plumes. Oh, aïe. Ah. Humain. Lenpika. Oh. Suisei Seki, sauve-toi. Ah. Ah.
peux pas la laisser s'en prendre à une pauvre petite poupée de rien du tout. Intéressant. Combien de temps va-t-il pouvoir tenir ? Lumin ! Ne fais pas l'idiot ! Pousse-toi ! Arrête ça tout de suite, Lenpika ! Inutile de t'égosiller. Ton Lenpika m'appartient maintenant. Il ne t'obéira plus. Lumin ! Tu es gentil. Ne fais pas ça! Arrête! Arrête! Va, suis Dream! Suis Seiseki! Merci, ma chérie. Oh là là, on est complètement perdu. Je ne peux plus marcher. Oh, c'est Kun-Kun. Kun-Kun, Kun-Kun, c'est Kun-Kun. Je vais vous indiquer la sortie. En échange, je voudrais que vous transmettiez un message à mes parents. Vous devrez leur dire que je serai toujours là auprès d'eux, quoi qu'il arrive. C'est ce que tu veux ? Oui, je crois que c'est beaucoup mieux ainsi. Kazuki ! Kazuki ! Kazuki ! Kazuki ! Kazuki, où es-tu ? Alors, Sweet Dream aussi ? Oui, mais au moins on est tous sains et saufs ! C'est vrai. Kazuki ! Qu'est-ce que tu fais là ? Mon maître. Mon petit Kazuki. Hein ? Mais qui êtes-vous ? Oh, enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes venu pour me prendre Kazuki, c'est ça ? Hein ? Quoi ? Mais pas du tout. J'ai assez de poupées à problème comme ça chez moi, vous savez. Silence ! Oh. Matsu. Oh. Mon cher Genji. J'ai un message de Kazuki. De Kazuki. Achetez sans tarder la poupée sacrée Nous Popo et nous vous offrons la deuxième gratuitement. Tu parles d'une arnaque, tout ça pour vous vendre deux fichues poupées. Ils sont malins. Ah, Suisei, c'est qui, je t'ai déjà dit que ce n'était pas drôle. Oh. Mais non, c'est moi, c'est Ina. C'est vrai, Ina. J'oublie tout le temps qu'elle n'est plus là. Tu es triste, Jun? Elle te manque? Mais enfin, tu plaisantes? Je suis content d'avoir enfin la paix, oui. Tenez, grand-mère, voici le thé. Merci, ma chérie. Pourrais-tu m'en servir une autre tasse, Soseiseki ? Bien sûr, il sent bon. C'est chaud. Tiens, regarde, Soseiseki. C'est ainsi qu'on fait pour refroidir le thé trop chaud. Oh, mais bien sûr, je ne le savais pas. Merci beaucoup.
Je vous souhaite la bienvenue. Surtout, faites comme chez vous. Mais vous êtes chez moi. June, je vais te rendre un grand service. Mais d'abord, dépêche-toi d'aller me préparer un thé. Et je veux des petits gâteaux aussi. Au fait, tu aurais pu me prévenir que tu organisais une réunion. Je suis désolée. Tout s'est un peu précipité. Retrouvez-nous dans le prochain épisode de Rosen Maiden. Prêtez serment auprès de cette bague. Épisode 10, séparation.